J'ai une proposition 20% moins chère. Qu'est-ce qui justifie cette différence? Ok, bah écoutez, voilà, moi ça m'étonne. Franchement, moi ça me semble difficile. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça ensemble. Montrez-moi votre proposition, on regarde la mienne à côté. Et puis, on va comparer toutes les prestations. Parce que un décalage de 20%, je connais bien le marché. Voilà, ça ne me paraît pas possible. Donc ça peut être une solution. Ou alors, c'est que ou dans ta découverte ou dans ta façon d'argumenter, tu n'as pas su montrer la plus-value de ta proposition. Et il a l'impression que c'est la même chose que ce qu'il a déjà. Donc là aussi, peut-être problème de découverte ou problème d'argumentation. Je ne vous connais pas, je n'ai pas à m'engager avec vous. Ok, Adèle. Oui, bah, je peux vous comprendre maintenant avec votre prestataire actuel, comment ça s'est passé? Quand vous avez commencé à travailler avec lui, peut-être que vous ne le connaissiez pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous rassurer sur cette connaissance, de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, de quelles garanties vous avez besoin?